Salut à toutes et à tous, c'est Vicnin et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 26 de notre walkthrough sur The Legend of Zelda de Wind Waker HD. Ça fut longtemps, je sais les gens, m'en voulez pas, j'ai beaucoup de devoirs ces derniers temps et les devoirs c'est plus important que les vidéos, oui parce que c'est les études et puis basta. Bref, dans cet épisode les gens, nous n'allons pas nous attaquer aux quêtes annexes comme je l'avais dit pour les Triforce. Avec une petite réflexion, je me suis dit, ça ne sert à rien, la quête de la Triforce sera déjà assez longue comme ça. On fera les quêtes annexes comme pour The Legend of Zelda Twilight Princess, c'est-à-dire on fera des épisodes spéciaux pour, cela. C'est-à-dire par exemple l'épisode quête annexe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on verra bien jusqu'où ça va nous mener tout ça, et puis voilà. Sur ce, on va quand même pouvoir avancer un tout petit peu. Je vais avancer un tout petit peu sur la carte, j'espère. Ou alors je le ferai pendant les quêtes annexes sûrement. Mais enfin, aujourd'hui dans cet épisode, on regarde un peu les quêtes qu'il y a à faire. Alors j'ouvre un peu les cartes que j'ai ramassées depuis le début, ça fera du bien, j'ai envie de vous dire. J'aurai pas à le faire plus tard. Hop là. Ah, celui-là je l'ai. Celui-là. Hop. Ah, il m'en manque quand même encore pas mal, il me semble que j'en ai raté. Ah, faudra que j'aille revérifier ça. Bref. Île de Tignon et la super carte, voilà, c'est ce que je cherchais. La super carte pour pouvoir aller chercher nos fragments de la Triforce. Et c'est à partir de maintenant qu'on va aller les chercher, c'est-à-dire là. Alors, il faut aller par là. Alors, j'ai la carte du monde juste en face de moi, les gens. M'en voulez pas, je vais chercher un truc. Hop là, voilà. Je monte un tout petit peu le son de mon écran parce que le son est vraiment bas. Voilà. Alors, super carte. Où dois-je aller? Dis-moi tout. Ah bah, je suis dans un bon alignement. Je vais peut-être commencer... Je sais pas. Bon, déjà d'une, on va s'équiper de quelque chose. M'en voulez pas. Hop. Enfin, m'en voulez pas. Vous n'allez pas m'en vouloir de toute manière si je prends des trucs. Bref. Alors, île de la face, je sais pas combien, mais si je vois le poisson, je veux bien lui filer à manger. J'ai pas vu le poisson. J'ai pas vu notre ami Pierrot. Donc, bref. Alors on y est. C'est par là. Ah oui, c'est l'espèce de forteresse, c'est vrai. C'est là où se cache une... Attendez, je cherche. Oui, oui, c'est bien cette forteresse qu'on vient juste... qu'on voit juste en face. Avec une carte de la Triforce, normalement, si je ne me trompe pas. Une carte de la Triforce, exactement. Tiens, d'ailleurs, il y a un trésor, on va s'empresser d'aller le choper. Et fuck, j'ai été... J'ai été trop naïf. Enfin, pas assez attentif pour écouter le son. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Suspense, je parie sur un rubis. Un rubis, argenté. Oh, c'est bueno. Hop, toi, on va te démolir. Merci, aide-moi. Même si tu es un ennemi, tu vas... Ah, fuck. J'ai pas réussi à rentrer directement. Pas grave, ça va se faire maintenant. Voilà. Alors, où sommes-nous? Dans un... dans une forteresse, comme on vient de le dire, avec le signe de la Triforce, avec l'aigle royal. Je crois que c'est un aigle, hein. Je suis pas tellement sûr, mais ça ressemble plus à un aigle qu'autre chose, hein. Moi, je vous le dis, les gens. Bref. Donc, là, il y a des vies... Enfin, il y a de la... Il y a pas de vie, puisque je suis en mode héros, mais il y a des rubis. Voilà. Allez, donne-nous la carte de la Triforce, avec la mélodie du vent. Voilà. C'est une bonne chose de faite, déjà. Allez. Petit coffre. Et c'est parti. Oh yeah! Carte de la Triforce. Ça va nous coûter des rubis et des rubis, mais... Quand même. C'est une des quêtes les plus chiantes du jeu, mais il faut la faire quand même. Allez. J'espère au moins la faire en une vidéo. Ce serait franchement pas mal. Au pire, je la coupe en deux parties. Et on verra ça. Hop, on sort et on va chercher les autres. Fragment! Ouais! Je vais me faire voir, pardon. La carte, ok, c'est par là. Alors ici, c'est spécial les gens pour la quête de la Triforce parce que
vous n'allez pas tout de suite trouver le coffre qui contient bien sûr le fragment de la Triforce. C'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, il me faudra des flèches pour ça. D'ailleurs, j'espère qu'il y en aura. Normalement, il y en a. Mais on sait jamais. Alors, île de la Rocaille. Ouais, elle est là-bas, l'île de la Rocaille. Je sais même pas si j'ai été prendre un flacon chez Terry là-bas ou le quart de cœur. Bref. Faudra que j'aille jeter un coup d'œil. Le poisson est là. Le poisson est là. En plus, il y a une lettre de... Enfin, une bouteille de Tingle. Ça m'intéresse. Salut, petit gars. Je t'écoute, je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Allez, déplie ta carte. Alors, déplie ta carte. Pas de problème, bro, hein, moi j'attends. La serrure de pierre. Tu as sans doute déjà rencontré des bateaux qui t'ont tiré dessus avec leurs canons. Eh bien, je suis sûr que ces bateaux sont remplis de trésors. Le seul petit problème, c'est que pour les couler, il faudrait que tu aies un canon, toi aussi. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Donne-moi encore à manger. Moi, quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu. Bon, c'est pas tout. Mais... Hop là. Voilà, je l'ai chopé. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir par là? Des choses intéressantes. Hop, on descend. Et on va s'en occuper. Hop là, flèche de feu, c'est fini. Et la bouteille de Tingle nous dit... Le clair de lune, ok. L'apocalypse, normal. Bref, c'est cool. Là, il y a de la magie, c'est pas forcément ce que j'ai besoin. Ils sont derrière, les flèches. Hop. Même pas... Ah, voilà, ok, ils sont là. Donc, l'objectif est simple ici, les gens. Il faut allumer tous les flambeaux. Ceux-là. Comme je sais à peu près où ils sont tous placés, avec l'expérience. J'espère faire un tir perfect, ce serait pas mal. Allez, on vise correctement. Ah, je parle de perfect alors que j'y arrive pas. Voilà, et j'ai celui-là et celui tout en haut. Ouh, il était joli celui-là. J'ai l'impression d'être comme dans The Legend of the Twilight Princess quand il faut toucher l'espèce de... Comment ça s'appelle? L'espèce de... Aïe aïe aïe. L'espèce de bâton qu'on doit faire au village Cocorico. Voilà, je cherchais le nom. Au village Cocorico, vous avez un bâton où il faut tirer dessus et comme ça vous ramassez un quart de cœur. C'est d'ailleurs super ce truc. Mais... Ça me rappelle ça en fait, voilà. Ah, une autre quête annexe. Je l'avais presque oublié, celle-là. Ah, il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. C'est dommage. Alors. Où sont les bateaux? Oui, les gens, vous inquiétez pas, je cherche des bateaux, c'est fait pour. Parce que l'un de ces bateaux contient un fragment de la Triforce, et c'est justement cela que je cherche. C'est pas cela là-bas? Il y a de fortes chances que ce soit eux. Oui, c'est lui! C'est lui, j'ai de la chance aujourd'hui, je l'ai chopé directement. Pas comme les dernières fois où j'ai vraiment galéré pour le voir. Allez, meurs. Voilà. Wow. Doucement. Ramasse, ramasse, vite, 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 vite. Voilà. On a le coffre. On se casse, cassos. J'ai plus de vie, j'ai pas de fée en plus. Carte de la Triforce, on se bat! Hop! Donc ça c'est fait, maintenant retour en arrière. Il me faut un peu d'énergie, ce serait pas mal. Hop, soupe de mémé. Ça fait du bien de récupérer toute sa vie. Voilà. Alors. Oh, j'hésite vraiment à faire un petit tour, les gens. Je fais un petit détour par l'île de la Rocaille pour aller chercher un quart de cœur. Et un flacon si j'ai pas été les prendre. Et en plus, une carte au trésor. Bref. Ah, en plus, il va commencer à faire... Ah, il va commencer à pleuvoir. Fuck. Et il pleut. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Si, si, la famille. Non, pas ça. Ça, voilà, merci. Ah.
Eh bé. Il flotte. Il va faire beau maintenant. C'est tout à fait normal. Il flotte 5 minutes chez Nintendo. C'est. Enfin, il flotte même pas 30 secondes. C'est tout à fait normal. Enfin, vous me direz. Ah, poisson. Ça y est. Plus rapide que moi, tu ne peux pas faire. Si, speedrunner, mais c'est pas pareil ça. Salut, petit gars. Hop, vas-y. Saleté de... Ah, c'est l'île du poisson? Merde, je me suis planté d'île? Ah bah, c'est un truc pour la... Pour la carte au trésor, mais c'était pas exactement c'est quoi ce que je cherchais. C'était pas exactement ça, bref. L'île de la rocaille, où est-ce qu'elle peut se trouver? Ah, j'ai aucun souvenir de l'île de la rocaille. Genre où se cachent les fées. Mince, elle est où l'île de la rocaille? Je ne sais plus où est l'île de la rocaille. Bon bref, on verra une autre fois. Pour l'île de la rocaille. Pour l'instant, direction l'autre quart de... Enfin, l'autre fragment de Triforce. D'ailleurs, où est-ce qu'on en est? Alors, premier fragment à décrypter, deuxième fragment à décrypter. Et on s'approche petit à petit de l'île. Avec notre petit... Fragment de Triforce. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est cette île déjà? Je ne sais plus, mais... Je vais m'en souvenir. Normalement, on devrait peut-être rencontrer d'ailleurs une gelée chuchu bleue, si je me trompe pas. Ça reste à vérifier. Alors là, il y a des crabes. Ramasse un peu les rubis. Des crabes, encore des crabes. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'as vu? Dis-moi tout ce que tu vois. Wow! Mais c'est dangereux, tous ces canons, si quelqu'un pouvait les détruire. Le trésor qui est caché là-bas en vaut la peine en plus. Ah, si seulement. Ouais, bah s'il en vaut la peine, j'irai peut-être plus tard. Faudra juste que je m'en souvienne qu'il faut que j'aille jusque-là. Bref. Oh! C'est ça. Il me semble pas qu'il y ait de gelée juchu ici, mais... Well, ou des neufs. Bah si, il y en a une. Je le savais. Allez. Hop, voilà, et on te tue. Alors, qu'est-ce qui se cache par ici? Ouh! Un temple. Enfin, un mini-temple. Un endroit où tu combats des monstres, en bref. Je sais pas comment on peut appeler vraiment ça. Un mini-donjon, on va dire. Oh, c'est vrai. Aïe, j'ai raté l'attaque. Allez. J'ai pas envie de gâcher des flèches, hein, les gens, franchement. C'est pour ça que j'y vais, franchement, doucement. Voilà. Hop, esquive. Bah, tout ça, c'est cool. Et hop, en plus, j'ai ramassé des flèches. Quoi de mieux? Allez, hop, vu FPS, et j'ai envie d'y aller. Vous. Vous faites partie de mes pires ennemis, mais vous êtes sympa, j'ai l'impression. Toi, tais-toi. Voilà. Ça y est. On récupère un tout petit peu de rubis, comme ça, ça coûtera moins cher à décrire pour Tingle. Hop là. Parce que ce sera là-bas les gens qu'il faudra aller décrire les cartes de la Triforce. Parce que fuck it. Au pire, je peux couper la vidéo comme ça quand j'y pense. Je couperai sûrement la vidéo, les gens, quand j'aurai fini de décrire les autres cartes de la Triforce. Comme ça, on pourra vraiment aller tous aller chercher toutes les Triforces qu'il y a à chercher. Oh fuck. Toi, dégage. Et toi. Il est où l'autre? Ok. Ça te laisse. Ah putain. Il faut garder son sang-froid. Voilà, c'est dit. J'ai dit ma connerie du jour. Je peux sortir vivement vainqueur. Et vivement déçu aussi. Bref.
Je ne sais plus parler français. Ah, mon Dieu. Alors. Ok. C'était le combo. Voilà. Histoire de t'achever avec une flèche entre les deux yeux. Maintenant, c'est l'heure des Darknuts. Allez, venez. Je vous attends. Cette attaque simultanée des deux Darknuts. C'était la classe. Allez, 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 allez. Fais-moi une attaque. Oh. Maintenant. C'est moi ou viennent de se faire un double hit. Allez, donne-moi. Voilà, merci. J'avais oublié que les Darknuts et moi, c'était pas franchement un cadeau. Mais bon, pas trop tôt. Hein? Quoi? Eux aussi ils peuvent le faire? Ça je savais pas. Faudrait que je le raconte, ça, Lumbic. Un Darknut peut faire l'attaque tourbillon. C'est impressionnant. Je pensais pas qu'il serait capable de le faire. Allez, punaise, ils m'ont fait mal, hein. Pfiou! Bon, soupe de mémé, finalement, faudrait que je me remette un peu à Wind Waker. Enfin, faudra que je me remette à Wind Waker plus souvent. Mais bon, les études sont les études, j'ai envie de vous dire. Il faut savoir faire la part des choses, entre le travail et le loisir. On va bien faire les deux en même temps, mais des fois, ce n'est pas possible. Mélodie du vent. Alors, qu'est-ce que c'est déjà ici? Il me semble que c'est un fragment de Triforce. C'est pas une carte. Il y en a trois. Mais il me semble pas que ce soit précisément une carte. Donc c'est un fragment. Oui, bah, c'est ce que j'avais dit. Bref, il reste six fragments à trouver. Maintenant, on se casse. On se casse. Aïe. Allez. En toute simplicité. Et avec Excalibur. Enfin, Excalibur. C'est horrible ce que je viens de dire. Comment on appelle ça? Mince. C'est une honte, voilà. On va dire que c'était une honte ce que je viens de dire. J'ai profané toute la série de The Legend of Zelda. Je viens de la profaner. Aïe aïe aïe. Bref, les cartes. Qu'est-ce qu'il me reste? Super carte. Alors, il me reste. Quoi? Je sais pas être. Ah non, effectivement. Je ne croyais pas avoir pris en fait les autres cartes trésors, mais si. Il faut juste que j'aille les faire décrire à Ting. Enfin, les faire décrypter par Tingle, parce que sinon, il ne me les comptera pas comme. Prise. Parce que je vous explique. Je vais vous montrer vite fait. Sur l'écran de la carte, je voyais encore les fragments, enfin les cartes à récupérer sans croix, c'est-à-dire vous verrez sans indication comme quoi vous l'avez pris. Vous allez voir. Vous voyez que les cartes au trésor que j'ai pris à gauche au tout début, elles ne sont pas barrées ou dites comme prises. Ça, ça a une explication particulière, c'est que j'ai pas encore été les décrire à Tingle, donc il ne va pas me les compter comme acquises. Voilà. Je cherchais un mot, je l'ai trouvé. Maintenant, direction le sud pour aller chercher normalement un fragment. Ouais, c'est un fragment. Un fragment. Ouais. Alors, ce sera Kelil cette fois, que je me souvienne quand même. Wind Waker, sois avec moi, please. You got a touch.
Avançons, je vois le poisson, mais malheureusement, je n'ai pas envie de lui donner à manger. C'est vrai, ça, j'ai fait. Je n'ai pas cet objet-là, je crois, pour pouvoir... Non, effectivement, je n'ai pas la carte qui me permet d'avoir... le fragment qui se trouve ici. Alors, je vais quand même faire quelque chose, les gens, hein, vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'il y a une boîte aux lettres? Oui, il y a une boîte aux lettres. Mais malheureusement, le majordome ne va pas me laisser passer. Fumier spacieux. Allez, tiens. On est à combien de mètres de l'île du dragon? Ouais, bah 10 rubis. Voilà. Alors, vous allez voir pourquoi je ne peux pas entrer. Ôtez vos sales pattes là, mal élevé! La propriétaire de cette île possède la jouissance exclusive de la ville. Alors filez d'ici, horrible individu. Tu es une porte en bois, je te rappelle. Une porte en bois. Tu ne peux pas me vaincre. Donc je vais où? Bon d'accord, je vais arrêter. Ah oh, mais j'ai pas envie de te parler non plus. Arrête, horrible individu. Mais je suis qu'un gamin. Me traiter d'horrible individu, c'est pas juste. Bref. Direction le coffre qui se trouve ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Une carte trésor. Bon bah c'est bon ça, mine de rien, on avance quand même. On a quand même des choses supplémentaires à ramasser. Alors, plus de flèches! Je te comprends mec. Viens d'arriver sur l'île à devoir le grand dragon Valu. Ouais bah Valu il est pas si... pas si content que ça la première fois que tu vas le voir. Donc je te souhaite bonne chance petit. Donc, aussi, il y a la petite carte au trésor qui... Enfin, le petit trésor qui traîne par ici. Je vais voir où il est, d'ailleurs. On n'en est pas loin, donc... Ah, je l'ai. C'est la carte au trésor numéro 1, d'ailleurs. Donc, je m'estime chanceux. Alors, hop, 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 on avance droit. Attends un peu. Et voilà, on y est. Alors, encore. Fait chier. Bon, alors, je vais regarder un truc, les gens. Vous inquiétez pas. C'est un truc habituel que je regarde. J'espère franchement avoir assez pour pouvoir obtenir le titre de propriété de la villa. Donc, direction mercantile. C'est pas une quête annexe, ce serait une quête obligatoire, les gens, là. Hein. Donc, les quêtes de annexes de mercantile, je les ferai plus tard. Comme j'ai dit, dans un autre épisode. D'ailleurs, il vient de faire jour momentanément, comme ça. Tu claquais des doigts, limite. Allez, qui a-t-il par ici, mon petit? Eh bien... Ah! La boîte aux lettres bouge, c'est mon signe. Ouah! Trop de boost, trop de boost, trop de boost. Voilà. Trop de boost tue le boost. Good morning. Vous avez le courrier, lettre reçue 1. One, letter number 1. Vous avez reçu une lettre postée aux frais du destinataire. Enfoiré! Pardon. Je voulais pas le dire, mais voilà. Salut, chef. Ça fait un bail, dis donc. Merci encore pour tes conseils au bureau de poste. Depuis ton départ, je me suis beaucoup entraîné. Mais mon record ne dépasse pas les 22 lettres. Je suis encore loin du tien. J'entends beaucoup parler de toi. Alors je me suis finalement décidé à t'écrire. C'est vraiment fort, ce que tu fais. C'est génial. C'est... Comment l'écrire? Je ne sais pas. Alors, voilà tout ce que je peux t'écrire. Accroche-toi, chef. Bats-toi, chef, etc. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je t'envoie mon salaire. J'espère qu'il pourra te servir. A très bientôt, le commis du bureau de poste. Va, Ruby. Tu fais pas mal. Je suis beaucoup plus riche que lui. Il va être jaloux. Bref, qu'est-ce que je cherchais sur mercantile? Oui, c'est vrai. Donc, sac à butin. Hop là. Salut les morveux. Vous m'avez déjà énervé, donc... Enfin, vous m'avez déjà assez énervé, donc je ne vais pas plus m'enquiquiner avec vous. Allez. Bonjour madame, j'ai des pendentifs pour vous. Lèche-botte. Oh, tu m'as rapporté un pendentif du bonheur? Tu possèdes actuellement 20-38 pendentifs du bonheur? Tu es formidable, et
En trouver autant. J'en tremble d'émotion. Ah, c'est ça le bonheur? Alors je t'en prends 20 pile, de toute façon je ne pourrai pas en porter plus. Et 20 c'est mon chiffre porte-bonheur. Je vais comme promis te faire un magnifique cadeau pour te remercier, je t'offre ceci. Le titre de propriété de la villa. Yeah! Tatatam! Comme tu le dis, la prof. Merci, je sais désormais qu'il faut que j'aille sur cette île. Je sais où elle est. Merci. Phew! Putain, je me demande même pas si elle paye les impôts. Bref. Je vais même pas faire de commentaires là-dessus, je n'y connais rien. Allez. Oui! J'ai eu chaud de pas tomber sur le sol. Donc, direction. La villa. Et on va se laisser ici, je pense, les gens, pour cette quête de la Triforce. Parce qu'elle commence quand même à être assez longue. Et donc, je pense qu'on va couper à partir de la prochaine obtention. Voilà. C'est-à-dire, la prochaine carte au trésor qu'on obtient, ou c'est le prochain fragment de Triforce qu'on obtient. On arrête là, et on va se laisser ici. Ouais. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Et qu'il y en a qui bossent. Et que si je fais une vidéo trop longue, on va me dire « Tes vidéos sont trop longues, je peux pas les regarder en entière !» J'ai juste envie de vous dire « Bah tu coupes !» Tu coupes ! Voilà, allez. Bon. Pour l'instant, ça a l'air d'être calme. Il n'y a pas grand-chose. On avance tout doux dans l'aventure. C'est que des quêtes... Enfin, des quêtes annexes. C'est des quêtes principales, mais chiantes. Comme d'habitude, c'est celle qui a fait chier tout le monde dans Wind Waker, malgré qu'elle soit plausible, on va dire. Elle est pas chiante, mais elle est lourde. C'est vrai que ramasser 8 fragments de la Triforce, ça fait un peu rappeler le Zelda 1, mais voilà, je m'en serais bien passé, franchement. C'est vraiment très compliqué. C'est un peu comme les 8 temples dans... les 8 ou 7 temples dans... dans Link Between Worlds, il me semble que c'est 7 temples, mais voilà, c'était bien 7 temples. C'était des temples, quoi. Il y avait de l'action, de l'énigme. Hé, hey, mal élevé. Oh, t'es vos sales pattes. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes donc le nouveau propriétaire de l'île? Et vous vous appelez Link? Ah, bon. Joli prénom. Veuillez refermer la porte délicatement, Link. Ouais, t'as intérêt, fumier spacieux. Va. En plus, je tiens la main du vieux. Ah! Ça fait peur. Parce que la poignée de porte, c'est sa main. Ah, cette chose. Je vais détester. Je déteste cette île. Ça a beau être ma propriété. Je la déteste. Je la déteste entièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a une énigme dessus. Je l'ai réussi. Dans ma partie originale, on va dire. Ma partie normale. Et oh, j'ai passé une heure dessus. Parce que ce genre d'énigme-là, non pas que je les déteste, mais c'est pas vraiment mon style. Je pourrais pas vous expliquer comment, les gens, d'ailleurs. Bref. D'ailleurs, on va récupérer quelques rubis. Hop. Voilà. J'espère juste qu'il n'y aura pas un gros rubis qui va rester là-haut. Ce serait vraiment dommage. Allez. Tac, tac, tac. Voilà. Et le dernier. Bah, ça va, la chance est avec moi aujourd'hui. Ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Bah. J'avais même plus à finir mes phrases. Donc, ici, c'est bloqué. Punaise, on n'y voit rien, littéralement. Enfin, littéralement, j'y vois rien. Parce que je me suis mis en mode game sur mon écran. Mais ça, c'est autre chose. On n'y voit strictement rien. C'est sombre de chez sombre. Alors, par où est-ce que l'on doit aller? Punaise. Allez, on rampe, on rampe, on rampe, on rampe, on rampe. Ça doit être par là. J'espère franchement pas de... J'espère franchement pas me gourer de chemin. Ça m'énerverait un peu. Donc, ouais, c'est bon. C'est des bons trucs ici. Je dis pas non. Tant que c'est des rubis, je suis pour. Je sais qu'il y a des choses à récupérer dans cet endroit, mais voilà. Donc, à gauche.
ici. Et voilà. Alors, où est-ce qu'on est? Alors, déjà, il me faudra ça. Ah, ça m'énerve. J'avais oublié que Wind Waker était mal fichu. Enfin, Wind Waker HD était mal fichu pour ça. Pour faire la différence entre le manuel et le tactile. Enfin, et entre la manette et l'écran tactile. Bref. Voilà. Oh, fumier. Don't touch to my money, bitch. Donc. On avance. Je crois que j'ai raté un truc. J'aurais dû aller sur la gauche, pas grave. Tant que j'ai le coffre, c'est tout ce qui compte. Donc. Don't know why, but... Ok, pourquoi l'eau elle est comme ça, je sais pas. Bref. Alors, déjà ça. Voilà. Et il y a un trou ici. Je vais pas m'attarder à rentrer dedans parce que je n'aime pas prendre de risques. Inutile, du moins. Ah, en fait, je suis obligé. Ok. Yeah! Donc je disais, yeah! Sai! Toi, je t'avais oublié. Sai! C'était rapide. L'épée de légende a illuminé mon chemin. Hop, voilà. Maintenant, reste plus qu'à récupérer le fragment de Triforce. Oui, c'est le fragment de Triforce normalement, c'est pas une carte au trésor. Il me semble que la carte au trésor c'était plus à l'est. Donc, je monte. Esquive! T'as pas réussi à me voir. Ah, c'est bon. Voilà. Eh ben, c'est bueno. C'était la dernière... chose à avoir pour cet épisode, c'est de la Triforce. Enfin, un fragment de Triforce. Phew, ça fait du bien. Non, remonte, Link, remonte. On va sortir quand même et on va dire bye bye. Ce serait bien. Toi, touche pas mes rubis. Voilà, merci. Quand même, faut pas déconner. Bref, c'est où maintenant la sortie? C'est par là. C'est par là. Par ici, par là. Hop, hop. La lumière m'emporte vers ma cheminée. Ma cheminée. Chez moi maintenant. Je suis chez moi. Bref. Eh ben les gens. Un épisode assez long, je vous l'admets. C'est un épisode assez long, on m'en voulait pas. C'est la reprise. Je commence à me réhabituer un peu à The Legend of Zelda de Wind Waker HD. J'ai perdu beaucoup de vie, faudra que j'accupère des flacons, beaucoup de choses. Bon, enfin bref, j'espère en tout cas que les gens que vous aurez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de liker et de partager. Pas de vous. Oui, si, vous pouvez vous faire plaisir. Et sur ce, bah. On se dit à la prochaine, bonne continuation. Allez, bye, suivez-moi sur Twitter, Miiverse, Facebook. Mais même si Facebook, j'y suis pas souvent. Et le reste, bref. Sur ce, à la prochaine, bonne continuation. Allez, bye, les gens. Oh yeah!